Bonjour, c'est Joran. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gamme Voyageur. Les Voyageurs sont une gamme de charrues semi-portées réversibles allant de 5 corps à 14 corps, développées pour des tracteurs de 125 chevaux à 600 chevaux. Souvent décrié, le labour présente une longue liste d'avantages agronomiques et économiques. Réduction des différents coûts liés aux produits phytosanitaires, diminution des problèmes de rémanence et de pollution, plus besoin d'acheter des variétés onéreuses très résistantes, car moins de risques de maladies et de mycotoxines. Assurance d'un bon rendement de qualité, enfouissement des pailles, diminution de la présence de spores et annihilation des maladies, surtout en année humide. Mise à disposition des éléments nutritifs directement aux racines. Enfin, le labour vous assure une levée et un développement d'un plant homogène, ce qui vous garantit une mérage. Elles sont disponibles en version monoroue, appelée S pour single wheel, et aussi en version chariot, appelée C pour carriage. Nos avant-trains sont compatibles quick coupler, deux catégories 3N à 4. Nous avons un angle de braquage de 110 degrés, ce qui nous permet une maniabilité optimale en bout de champ. Sur tous les petits modèles de la gamme Voyageur, nous avons développé un système de retournement à double vérin, ce qui vous apporte souplesse et sécurité pour les manœuvres en bout de champ. Sur nos modèles de charrues destinés à des tracteurs de plus forte puissance, nous avons développé le système Pinot-Crémaillère, exclusivité breveté Grégoire Besson, qui nous permet de retourner des charrues jusqu'à 14 corps. Inversion du processus de retournement à tout moment et sans à-coups, nous avons plus de 20 000 modèles équipés de cette technologie dans le monde. Sur tous les modèles de charrues équipés avec un système de retournement Pinot-Crémaillère, nous avons en option un système de compensation hydraulique qui permet d'optimiser l'adhérence au niveau du tracteur. Les différents modèles de la gamme Voyageur sont disponibles en raie ou hors raie. Il faut savoir que chez Grégoire Besson, les modèles hors raie permettent aussi de travailler en raie. Le déport est sur compas, à réglage hydraulique en continu. Notre système de gestion du déport nous permet de travailler avec des tracteurs jusqu'à 4,70 m de large. Nous avons deux technologies bien distinctes pour le réglage de la largeur de travail. Le système multiposition à réglage mécanique. Nous avons aussi le réglage hydraulique de la largeur de travail que vous pouvez ajuster en continu de la cabine du tracteur. Pour régler la profondeur de votre charrue, rien de plus simple. Une butée par vis pour la profondeur de l'arrière de la machine. Pour l'avant, vous réglez ça avec le relevage du tracteur. Et pour l'inclinaison, une vis de chaque côté de la tête. Tout comme sur les monoroues, le réglage de la profondeur de l'avant se fait par le relevage du tracteur. Pour ce qui est du chariot central, par une vis de butée. Et pour le réglage de l'arrière, par la route de terrage. Nous avons deux sécurités au choix, boulon ou hydraulique. Lorsque l'élément rencontre un corps étranger, l'élément bascule vers l'arrière, les corps étrangers passent en dessous, l'élément revient en position. Dans le cas d'une sécurité boulon, il faut remplacer le boulon de sécurité. Sur les nouvelles générations de charrues Grégoire Besson, nous avons opté pour la tendie déportée. Vous gagnez en traction, en débit de chantier, et suite à une série de tests, nous avons constaté que vous pouvez économiser jusqu'à 11% de carburant. Standard, l'entrepointe est de 170 cm et en option 180 cm pour des travaux plus profonds. Sur les voyageurs, l'entrecorps est de 100 cm. Sur les modèles S70 et C80, il est aussi disponible en 114 cm. Nous proposons des corps à pointe, des corps à barre, toute une gamme de versoirs adaptés avec des versoirs cylindriques pour des labours jetés, des versoirs hélicoïdaux pour des labours moulés et des corps clairvoie. Pour l'enfouissement des résidus, vous pouvez aussi ajuster votre rasette en profondeur et l'éloigner plus ou moins du corps de labour. Nous avons aussi un large choix de rasettes, des rasettes mixtes, des rasettes prairies, des rasettes universelles, des rasettes maïs. Nous avons aussi un large choix d'équipements additionnels tels que les déflecteurs. Nous pouvons aussi ajouter un coutre circulaire, un pic sous-soleur ou un élargisseur de raie. Grâce à notre liaison châssis-roue, le centre de gravité s'abaisse à chaque retournement pour des manœuvres en toute sécurité. Vous actionnez le système de retournement, le chariot ou la monoroue s'oriente afin de guider votre chariot. Afin d'obtenir le meilleur report de charge possible sur l'arrière des tracteurs, nous avons disposé les roues le plus arrière possible des machines. Nous avons différents diamètres de roues disponibles, des petits et des grands. Nous avons le plus grand diamètre du marché, ce qui nous assure un bon entraînement. Elle dispose aussi d'une grande largeur pour une bonne partance. Pour les conditions humides, nous avons en option un décrottoir de roue. Pour sécuriser vos manœuvres en bout de champ et vos transports sur route, nous avons mis en place une suspension. Toutes les monoroues sont homologuées 40 km/h.
Afin de ne pas laisser de zones non travaillées dans votre parcelle, nous avons opté pour un caisson Z qui intègre parfaitement la roue. Grâce à cela, le dernier corps couvre le passage de la roue. Sur les chariots, deux possibilités au niveau de l'articulation entre la partie avant et la partie arrière. Soit un galet simple qui permet un bon suivi du terrain, soit un système à double vérin qui permet en plus de relever l'arrière de la charrue. Le relevage de l'arrière de la charrue vous permet de faire des entrées de champ impeccables et de simplifier vos manœuvres. Sur certains tracteurs, le nombre de distributeurs hydrauliques est limité. Nous avons pour cela un sélecteur de fonction hydraulique qui vous permet de limiter le nombre de branchements. Ce sélecteur vous apporte aussi une simplicité d'utilisation en cabine. Si vous avez en projet l'achat d'un tracteur de plus forte puissance ou de plus faible puissance, il vous est possible sur la gamme Voyageur d'ajouter ou de retirer un corps. Nous avons aussi la possibilité d'ajouter un bras de rouleau qui vous permettra de tirer un rouleau indépendant sur le côté de la charrue. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt.